So, it's true. The king is dead. We find ourselves in a place we never sought. The threat of anarchy swells beneath us. We're done begging for these crops. We take what we need. A plague that spent 1,000 years confined to stories is now clawing at our gate. Pestilence, it festers everything it touches. It is a punishment upon those who have lost their faith. God's chosen descent. History will remember how we answer. No matter the cost. Et salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur ce tout nouveau jeu No Rest for the Wicked qui va sortir le 18 avril 2024, donc dans 2 jours à l'heure où je vous parle. Le jeu sera disponible sur Steam pour ceux qui veulent jouer sur PC. Le jeu sera payant, je ne connais pas le prix d'ailleurs, je ne me suis pas trop renseigné sur le prix. Voilà, je ne sais pas combien il va coûter, n'hésitez pas à me le dire dans le chat si vous savez. Et ce qui va être plutôt sympa, c'est que ce tout nouveau jeu action RPG est fait par les créateurs du jeu Ori. Le jeu Ori qui était un jeu sublime, je ne l'ai pas fait mais je l'ai regardé en termes de let's play parce que je trouvais le jeu magnifique. Et je vous avoue que bah, sur cette chaîne, on joue beaucoup à des gachas, mais on aime aussi pas mal les action RPG. Et je vais pas vous mentir que ce jeu No Rest for the Wicked, pardonnez mon français, mais franchement, le jeu a l'air juste sublime. Là, on peut voir un petit peu de gameplay en fond du jeu, justement 20 minutes de gameplay. Là, tout à l'heure, vous avez pu voir le tout nouveau trailer qui est sorti pour justement annoncer la sortie Early Access du jeu. On a aussi, c'est disponible depuis quelques temps, l'Early Access Roadmap, où on va avoir la possibilité du coup de jouer sur Steam à l'Early Access. On va avoir la possibilité sur la première mise à jour d'avoir le mode multijoueur. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir jouer, j'imagine, avec d'autres joueurs sur différents modes de jeu. Je ne sais pas encore comment ça va fonctionner. En deuxième mise à jour, on a la The Breach, je ne sais pas ce que c'est. Et plus tard, on aura bien évidemment d'autres mises à jour. Donc on a déjà une petite roadmap qui a été éclaircie, qui a été donnée. Donc ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a un mode multijoueur après avoir exactement ce que ça va donner sur qu'est-ce que c'est finalement ce mode multijoueur. Je vous mettrai bien évidemment les liens de cette vidéo gameplay et aussi du trailer dans la description, bien évidemment. Mais en tout cas, ouais, ça me fait extrêmement plaisir. J'aime beaucoup les graphismes du jeu, j'aime beaucoup ce côté... un petit peu, je sais pas, ancien, un peu animé. Je sais pas comment expliquer ça me fait penser un peu à FK Journée, moi, quand je vois ces graphismes-là. Alors, bon, vous allez me dire, Limoulou, t'abuses un peu, parce que bon, FK Journée, à côté de ce jeu-là, c'est pas pareil. Mais je sais pas. En tout cas, j'aime beaucoup la patte artistique et les graphismes du jeu. Et j'ai l'impression que le jeu a l'air réellement très très complet. Le gameplay a l'air très intéressant, très fluide. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner dans 2 jours, hein. Franchement, je pense qu'il y aura, comme je vous disais, des lives et des vidéos sur cette chaîne YouTube et sur ma chaîne Twitch pour justement essayer de regarder un petit peu tout ça. Vous voyez qu'il y a un mode sell, repair, upgrade, etc. On va regarder un petit peu si on n'a pas du combat là, un petit peu de fight, ça peut être sympa. Mais oui, il y a plein de choses. J'ai l'impression qu'on peut faire sa maison. Incroyable. Incroyable. Bon, là, je vois qu'il joue sur manette. Ah, du combat. Les combats ont l'air sympas. Mais surtout, les regardez. Je vais mettre un peu plus de son. J'adore. Waouh.
Non, le jeu a l'air incroyable. Déjà, le gameplay, je kiffe. Vous avez vu que là, on peut du coup faire des esquives. Il y a une espèce de barre d'endurance. En bas à gauche, vous avez votre épée, votre bouclier. Alors, je sais pas si c'est lui dans la vidéo qui fait ça, mais... J'ai l'impression que le son, des fois, il se baisse comme si d'un coup, on devenait un peu sourd. Et d'un coup, le son revient à la normale, je pense. Je pense que c'est lui qui fait ça. Wow. Non, c'est vraiment... C'est magnifique. Ah, je découvre avec vous le gameplay de combat, juste en plein kiff là. Vous voyez qu'il avait drop des épées, etc. Donc, à voir ce que ça va donner. Moi, je sais juste que c'est un action RPG. Bon, je me suis pas plus spoil que ça. J'ai pas voulu me spoil plus que ça. Bon, là, c'est pas le même combat. C'est les combats contre les petits mobs. Il y a un système de parade, système d'esquive. On peut attaquer. Je sais pas si plus tard on aura peut-être des compétences ou ce genre de choses. Ou alors ça s'arrête à un gameplay assez... attaque puissante là, ok. Ou ça s'arrête à un gameplay assez basique comme celui-ci. Je sais pas par exemple si on pourra s'équiper. Là je vois, elle peut s'équiper de genre de dagues. Et s'il pourra se les équiper. J'ai l'impression que oui. Ah oui, là, d'accord. Du coup le gameplay va changer. Ah, plutôt mal. Oh. Ok, plutôt intéressant. Je sais pas si y aura... Ça, le trailer à la fin. Screenshot avec des game info. Pas mal ça. On va voir un petit peu les game info. La source du wicked, is upcoming action RPG. My Moon Studio, donc voilà, c'est eux les développeurs du jeu. Ah, ça raconte un peu l'histoire. Moi, j'avoue que le lore, je me suis pas du tout renseigné. Je crois qu'il raconte un petit peu l'histoire là. Bon, je vous mettrai bien aimant le lien de la vidéo dans le... Ah, donc là ça va être écrit du coup. Le jeu sera disponible sur PC le 18 avril et plus tard sur PS5 et Xbox Series XS. Donc j'ai pas l'impression que le jeu sera dispo sur PS4. Parce que je vous vois venir, hein, ceux qui demandent est-ce que le jeu est dispo sur PS4. Je vous vois venir messieurs là. Je vous vois venir. Wow, on peut escalader aussi, incroyable. Non, franchement, ça promet quelque chose de sympa. Bon, en tout cas, je vous mettrai tous les liens en description. Je voulais juste vous présenter le jeu et parler et vous parler du jeu, vous partager un petit peu mon futur petit kiff. Parce que je trouvais ça intéressant. Ça pourra peut-être plaire à certains. Je me suis dit que ça pourrait sûrement plaire à certains. Donc je me suis dit, allez, on va partager le gameplay. Donc si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification si vous voulez suivre d'autres contenus sur No Rest for the Wicked. Peut-être qu'il y aura une petite session let's play, peut-être. Ça pourrait être sympa. Et puis il y aura sûrement des lives de toute façon sur le jeu. En live sur Twitch et sur YouTube comme d'hab. Donc n'hésitez pas à follow les différents réseaux. Et puis bah écoutez, nous on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur No Rest for the Wicked. Et bien d'autres, hein, bien évidemment. Et puis tous les liens seront en description encore une fois. Et voilà, ciao tout le monde, prenez soin de vous.